Pour débuter cette sélection, je vous propose de découvrir la chaîne de Princesse Rabia qui compte 442 abonnés. Elle vous propose des moments de sa vie, des unboxings, des tests de jeux, je crois que c'est sur téléphone si je dis pas de bêtises, et tout récemment, elle vient de recevoir sa nouvelle tablette. Donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir tout ça. Allez, on continue avec fan de la famille Swan The Voice qui compte 407 abonnés quand même, et qui vous propose de partager quelques moments de Sophie Neo One de la chaîne Swan The Voice. Ensuite, on passe à Fake Calypso. Alors, Fake Calypso, c'est mon petit chouchou d'amour. Alors, Fake Calypso cumule pas moins de 584 abonnés. On peut lui dire bravo. Et elle propose des vidéos sur le DIY, comme la Fimo ou le Plastic Tag. Et elle fait aussi des tags, parce que je l'ai tagué il n'y a pas très longtemps. Et elle fait aussi des sélections de chaînes. D'ailleurs, il y a une des dernières chaînes qu'elle a taguée, c'est Mylena Aquarius. Donc voilà, je vous propose de découvrir cette chaîne. C'est une super nénette, super sympathique et une excellente modo. On passe à MP Clash. MP Clash est un jeune homme qui gère une chaîne de 206 abonnés et qui vous propose des petits unboxings comme des cartes Panini, un calendrier. La dernière vidéo, c'est le calendrier de McDo que je ne connaissais pas du tout et que je connais toujours pas d'ailleurs parce que je ne l'ai pas reçu moi. C'est bien dommage. Il vous propose des petites choses comme ça, bien sympathiques, moi j'aime beaucoup. Et voilà, et donc je vous propose de découvrir sa chaîne avec plaisir. On passe à Mrs. Wonderful, une jeune fille de 18 ans il me semble, qui vous propose une chaîne qui compte pas moins de 603 abonnés. Dans le contenu, c'est du lifestyle. Parle de sa vie, ouais, elle vous propose des moments de sa vie, des tags, des tests, je crois que c'est un test blabla, un test live, les cadeaux de tête des mères, voilà. Elle vous propose tout un tas de choses et qu'elle partage avec vous. Donc je vous la conseille aussi parce que c'est une abonnée super sympa et moi j'adore aller sur ses lives quand il y en a. Allez, on passe tout de suite à la chaîne Discovery Channel qui compte plus de 1000 abonnés et qui gère une chaîne qui parle de produits de chez Action, hein. Des tutos comme celui de la cocotte que Cindy a beaucoup fait. Puis aussi des vidéos qui parlent un peu de sa vie, de petit chat. Là, j'ai vu une vidéo sur son petit chat qui avec un laser. Je vous invite à vous abonner à Discovery Channel. Maintenant, c'est parti pour la chaîne de Robert de Palmas, une chaîne qui compte plus de 1000 abonnés. Des tests de petits jeux de portables, je crois. Et je parle de questions.
questionnaire parce que la dernière vidéo que j'ai vue de Louis Dix, c'est un questionnaire sur la culture et moi j'ai adoré ce questionnaire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le faire, donc merci Louis Dix. Et alors, c'est une chaîne qui compte plus de 1500 abonnés quand même, donc voilà, et qui est aussi très très active sur les chaînes des autres. Je fais ça parce que j'ai les oreilles qui bougent de tous les côtés. Et donc voilà, moi je vous conseille de vous abonner à Louis Dix parce que vraiment il est très actif, il vous rend les commentaires, il vous rend des likes, franchement il a tout le dit, il n'y a aucun souci, c'est vraiment quelqu'un d'appréciable je trouve. Donc allez découvrir sa chaîne et puis abonnez-vous si vous en avez envie. Maintenant on passe à Jojo Play, une chouette nénette qui gère une chaîne de 512 abonnés et qui est 100, non 512 abonnés. Alors je vous parle, hein, toujours pareil, ça peut évoluer. Et qui gère une chaîne de make-up. Et oui, make-up, de produits de beauté, de produits du corps. Voilà, et qui vous donne son avis. Elle fait des tests, elle fait des hauls, elle fait des choses comme ça. Et puis elle vous donne son avis. Voilà, donc je vous conseille d'aller aussi sur sa chaîne. Alors Cindel, est-ce que c'est bientôt les vacances? Oui. Ouais,